Il y avait de l'ambiance au Parnasse ce samedi pour la rencontre USAM-Nîmes contre Istres. Les Nîmois se devaient de gagner cette rencontre pour ne pas se mettre en difficulté pour le reste du championnat. L'entame du match fut istréenne. Au bout de 7 minutes de jeu, on comptait 3 buts d'avance pour Istres. Mais à la 21e minute, les deux équipes étaient à égalité. La dernière minute fut intense. Les Nîmois ont conclu cette première mi-temps en marquant un but, les mettant devant avec 14 buts et 13 pour Istres. La reprise de la deuxième mi-temps était à l'avantage des Nîmois. Mais la 18e minute, le jeu s'inversa. Les USAMistes doutaient. Et l'équipe de Christophe Mazel reprenait le dessus, mettant le compteur 22-22 à la 25e minute. Les 5 dernières minutes étaient sous tension. La 29e minute fut décisive pour la rencontre. Mais le dernier tir nîmois n'a pas été à la réussite. Le bras de l'USAMiste a été bloqué par le joueur istréen, Diam. Et le résultat final est de 24 pour Istres et 23 pour Nîmes. Le score mettant l'équipe nîmoise relégable à la 13e place. La prochaine rencontre face à Toulouse sera décisive sur la suite du championnat.